Salut. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous me l'avez demandé sur Instagram, alors il y a peu de temps de ça, il y a eu le Black Friday et du coup j'ai décidé de refaire ma garde-robe. Donc au départ j'étais partie sur un budget de 400 €, mais vous avez été nombreux à me dire est-ce qu'il y a moyen que tu fasses un budget un peu plus bas pour qu'on puisse tous en profiter, bah, parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui me suivent et tout. Et 250 €, c'était le budget sur lequel vous vous êtes tous mis d'accord. Donc je me suis dit, bah, on va essayer. Du coup, je savais que j'avais une cartouche de 250 € et je me suis dit, bah, il fallait que je m'achète pas mal de choses. Donc j'essaie de répartir ça comme je pouvais. Donc sachez que j'ai pas pris de maquillage parce que bah, déjà de 1 j'en avais. Et en plus ça rentrait pas du tout dans le budget de 250 €. Pour ce faire, je suis allée sur le site Boohoo parce que en fait il y a plusieurs personnes qui m'ont en parlé et qui m'ont dit que c'était un site qui était génial et qui était pas cher du tout. Alors j'étais un petit peu sceptique parce que j'avais jamais testé la qualité et je me suis dit bon, je vais quand même m'acheter des jeans et tout, des trucs d'ouf. Donc si la qualité elle est pas au rendez-vous, bah ça va être dommage. Et comme je suis le cobaye, il fallait que j'essaye pour vous. Donc j'ai commandé et franchement, je suis agréablement surprise parce que la qualité, elle est juste ouf. Je vais vous faire un petit haul, essayage, tout ça. Donc, sachez que cette vidéo, elle n'est pas du tout sponsorisée, ni partenariat, ni Wellou. J'ai acheté mes produits. J'espère que cette vidéo, elle va vous plaire. En tout cas, je vais vous mettre mon petit Instagram ici. N'hésitez pas à m'ajouter parce que ben, là-bas, il y a tout qui se passe en avant. Sans plus tarder, on va commencer. C'est parti. Je vais vous présenter les vêtements par tenue et non par article. Comme ça, ça va être plus simple pour moi pour les essayages. Donc en premier j'ai pris ce jean là, magnifique, franchement je m'attendais pas à ça, je pensais qu'il allait être, enfin j'avais vu la photo là sur Boo et je me suis dit non c'est pas possible que ce soit la même chose en vrai parce que bah, c'est un site chinois, donc je me suis dit la qualité elle doit pas être au top. La qualité elle est juste ouf, bah, comme les jeans que j'achète à Zara, Mango, tout ça, c'est vraiment trop beau. Donc celui là je l'ai pris en taille 42. Et il me semble qu'il était à 8 € au lieu de 22 € parce que avec le Black Friday, donc j'ai pu en profiter. Je l'ai pris avec ce sweat là. Celui-là aussi il est magnifique, il est blanc et rose, j'adore la couleur. Il y a écrit woman au milieu. Et en fait celui-là je crois qu'il était à, je sais plus il était à combien. Attendez, je prends mon téléphone, je vais vous dire ça tout de suite. Alors ce pull là il était à 14 € et le jean il était à 8,80 €, parce que je sais que vous allez faire hyper gaffe à la qualité. Bah sachez que l'intérieur de ce pull là il est en laine, donc il tient vraiment chaud. Et niveau taille j'ai pris en taille 44 il me semble. Bon j'ai pris une grande taille parce que moi j'aime bien les trucs oversize. Donc prenez votre taille surtout parce que je sais qu'ils taillent super bien. Donc surtout au niveau des jeans. Deuxième tenue, donc là j'ai pris la même chose, donc un jean. C'était le même jean sauf avec une couleur différente. J'ai pris du noir parce que j'avais plus de jean noir. Et c'est exactement la même chose. Celui-là je l'ai pris aussi en taille 42 vu que c'est ma taille. Et par en bas il est slim, en fait il sert super bien. Avec ça du coup je me suis dit que j'allais porter avec ce sweat là, magnifique, franchement je le trouve hyper beau, il y a écrit Barcelona dessus. Après voilà, celui là je l'ai pris en taille 44, j'aurais peut-être dû le prendre en taille 42 parce qu'il est un petit peu grand, mais franchement même grand ça fait joli en fait. La tenue elle fait super accordée, j'adore, on dirait que c'était c'est fait exprès quoi, qu'il est comme ça à la base. Donc celui-là il était à 18 € et le jean bah 8,80 € pareil. Du coup pour la troisième tenue, donc là j'ai pris un jean un petit peu différent, donc c'est celui-ci. Il est trop beau. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais de toute façon je vous mettrai une petite vidéo. Donc il y a des petites déchirures là vers le bas. Et celui-là je crois que c'était un... Je crois que c'était un jean mom, il me semble, c'est un truc comme ça que... Enfin, je crois qu'on l'appelle comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, je le trouve vraiment magnifique et je l'ai pris en taille 42. Et en fait, celui-là, je l'ai porté avec ce pull col roulé comme ça. Couleur crème, on va dire, un peu marron, je sais pas. Je sais même pas c'est quoi la couleur, mais vraiment, elle est trop belle. Je l'ai pris en taille M et franchement, il est vraiment magnifique et en plus, il tient chaud. Donc voilà, c'est bien un jean mom et je l'ai pris à 8,80 €. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en bas d'infos comme ça, si jamais vous êtes intéressé par les articles, bah, vous pourrez les commander directement. Et ce pull là je l'ai pris à 12,80 €. Pour finir avec les jeans, j'ai pris cette salopette et vraiment elle est trop belle.
Donc je l'ai pris en grande taille, je l'ai pris en taille je crois 44 il me semble, si je me trompe pas. Et peut-être que j'aurais dû prendre une taille en dessous, parce que en fait je me suis dit les salopettes c'est trop serré, je vais pas être à l'aise. Donc je vais prendre une taille au-dessus de ma taille. Donc au lieu de prendre 42 j'ai pris 44. Mais franchement j'aurais dû prendre ma taille, parce que elle taille, enfin elle est un petit peu grande, ça se voit pas vraiment. Et elle est vraiment trop trop belle. Et en fait celle-ci je l'ai pris avec ce body là. En fait c'est un body blanc, tout simple comme ça. En plus il se porte avec tout franchement. Mais il est un petit peu transparent. Donc c'est pour ça que je l'ai porté avec la salopette. Et donc ces deux là ils étaient à... Donc le body blanc comme ça tout simple, il était à 7,20€. Et la salopette elle était à 12,80€. Et franchement c'est trop bien, elle était vraiment pas chère. Et je m'attendais pas à ça comme qualité. Et franchement mais ce site là, c'est sûr que je vais aller recommander dessus, ça c'est sûr. Dans les robes pull, donc j'ai pris cette robe pull là, magnifique la couleur, j'adore. En fait c'est une couleur saumon comme ça. Celle-ci je l'ai pris en grande taille. Pourquoi? Parce que je me suis dit vas-y c'est une robe pull. Et en plus moi j'ai des hanches et tout, donc il fallait un truc large. Je l'ai portée avec un collant tout simple et des petites bottes. Cette robe pull je l'ai pris en taille 46. Et j'ai abusé sur la taille, mais je me suis dit voilà, vaut mieux large que trop serré. Je voulais pas un truc moulant. Elle était à 12,80€. Et je pense qu'il y avait plusieurs couleurs, mais moi j'ai eu un coup de cœur pour cette couleur là, saumon, sachant que j'ai pas trop de trucs colorés là pour l'hiver. Donc je me suis dit bah voilà, c'était l'occasion et je l'ai prise. Alors ça c'est trois articles que j'ai acheté séparément, mais finalement ça m'a fait une trop trop belle tenue ensemble. Donc déjà on va commencer par ce legging noir. Effet mouillé, il est vraiment trop trop beau, il est grave classe, grave chic, j'ai vraiment adoré. Celui-là je l'ai pris à 8,80€, donc même prix que les jeans, et il est vraiment trop trop classe. En fait avec ça j'ai pris une chemise blanche, oversize et hyper longue. Je vais vous montrer la tenue à la fin, vous inquiétez pas. Donc celle-ci c'était une chemise toute simple, blanche, hyper longue. Je voulais faire, vous savez le style là qu'on voit partout sur Instagram. Donc celle-ci elle m'avait coûté un petit peu cher par rapport aux autres bien sûr. Elle était à 18€. Mais franchement elle est vraiment trop trop belle. Et avec ça j'ai pris un pull sans manche je crois. Ouais c'est un pull sans manche comme ça. Et en fait c'est pour le mettre au-dessus quoi. Il est vraiment trop trop beau, il est classe. Donc il y a une petite fente ici là au milieu. Et celui-là, je l'ai pris en taille 42, il me semble. Ouais. Et voilà, je l'ai pris en couleur kaki comme ça pour un petit peu casser tout ça. 14€ ce pull, 18€ la chemise et 8€ le legging. Et ça m'a fait cette belle tenue magnifique. Franchement, j'ai vraiment adoré. Et en plus, avec ça, j'ai pris les cuissardes. Vraiment magnifique la paire de cuissardes, j'ai vraiment adoré. Je pensais pas que ça allait être comme ça honnêtement. Elle est en fait en... Je sais pas si vous voyez à la caméra la qualité, mais là vous l'avez en din j'ai l'impression. Et là c'est une autre matière, mais qui est vraiment trop trop classe. Je les ai pris à 24,80€. Et franchement la qualité elle est vraiment au rendez-vous. Il se fixe bien au pied, il s'adapte bien. Et surtout prenez votre pointure parce que ça taille bien. Donc vous n'avez pas besoin de prendre plus grand ou plus petit. Prenez juste votre pointure et je pense que ça fera l'affaire quoi. Ensuite j'ai pris cette robe. Elle est trop trop belle. Franchement c'était vraiment un coup de cœur. La couleur un petit peu bleu vert comme ça. Vraiment trop trop belle avec une ceinture. Celle-ci je la porte avec des collants et des petites bottines et franchement le rendu il est vraiment trop trop classe, magnifique comme vous pouvez le voir. De toute façon je pense que celle-ci je vais en reprendre une deuxième parce que on peut autant la porter en hiver qu'en été. Je sais pas, elle est vraiment très légère et elle est vraiment magnifique. Donc ça avec un beau manteau long, chic, classe et tout. J'ai prise à 14€. Donc franchement ça va, les prix ils sont vraiment abordables. Donc dernier article que j'ai pris chez Boohoo, c'est cette combinaison. Elle est trop trop belle. Donc il y a des rayures là sur le côté. J'avais vu une influenceuse la porter et je l'ai trouvée vraiment trop trop belle. Je me suis dit bah il faut vraiment que je l'achète celle-ci. Donc voilà, c'est un pull avec un pantalon en bas. Je l'ai pris en taille 44 mais j'aurais dû le prendre en taille 42. Donc j'aurais dû prendre ma taille. Je me suis dit vas-y c'est un jogging, je veux qu'il soit large, j'ai pris plus grand et tout. Mais franchement elle est un petit peu grande sur moi. Enfin c'est dommage parce que j'ai vraiment kiffé. Mais de toute façon je vais quand même la porter parce que des joggings même s'ils sont larges
ça reste beau. Présente en plusieurs couleurs et j'hésitais entre le beige et le noir, mais franchement, heureusement que j'ai pris le noir parce que j'avais pas de combi noir et celle-ci je la trouvais vraiment trop belle. Je l'ai pris à 18€. Sachez que sur Boo j'ai payé exactement avec la livraison et tout 209€. Donc c'était 200€ les articles et 9€ de livraison il me semble, un truc comme ça. Sachez que c'est un site qui fait tout le temps des promos. Donc là tout le site il était à moins 70% pendant le Black Friday, mais il me semble qu'il y a encore. Donc bah pour toutes les personnes qui veulent en profiter, allez-y, c'est le moment. Ensuite vous allez me dire, ouais mais là c'est 200€, les 50€ ils sont passés où? Je vais vous dire. Pour continuer un petit peu mes achats, je suis allée sur Jennifer. Sachez que sur Jennifer j'ai pas pris beaucoup de vêtements. Je me suis dit bah les vêtements j'ai déjà pris sur vous. Donc il me fallait une veste pour compléter un petit peu ma garde-robe on va dire. J'ai pris cette veste là magnifique. Elle est en couleur camel. Elle est vraiment trop belle. J'essaierai de vous mettre une vidéo où je la porte. Mais elle est vraiment magnifique. Et celle-ci je crois qu'elle était à 35,99€. Et je l'ai pris en taille L. Elle est vraiment trop belle. Et celle-ci bah, je compte la porter bah, avec les jeans tout ça. Là j'avais pris celle-ci à 35,99€. Et après bah, pour compléter jusqu'aux 50, j'ai pris que des sous-vêtements que je vais pas vous montrer bien sûr. Ça me fait vraiment kiffer de jouer ce petit jeu là. Je m'étais jamais donné un budget pour les vêtements. Chaque fois je me dis bon je vais acheter et puis on verra à la fin ça coûte combien. Et là le fait d'avoir respecté un budget c'était un challenge hein. Il y a plusieurs personnes qui ont commandé après moi vu que je vous avais montré tout ça sur Instagram. Et il y a des personnes qui ont commandé bah, avec moi carrément. Donc là ils ont reçu leur article aussi, ils étaient très contents. Et franchement j'étais fière de pouvoir vous présenter ce site là que moi-même je connaissais pas. En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Et franchement ça m'a fait kiffer de vous la tourner, un truc de dingue. Je suis trop contente déjà de mes nouveaux achats, mais en plus le fait que je vous ai tourné cette vidéo parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas tourné de haul. Sachez que je vais vous mettre tous les articles que vous avez vus en barre d'infos, donc en lien. Directement cliquer et aller commander si vous le souhaitez. Bon, il y a les petits privilégiés là qui ont tout vu sur Instagram avant que je poste cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram si vous l'avez pas encore fait. Franchement là-bas je vous partage tout, je vous partage mes journées et en plus je suis très active. Je réponds à tous mes messages en temps et en heure. Voilà, en plus des fois je fais des sondages et tout pour les vidéos YouTube, donc c'est très intéressant. Donc je vous invite vraiment à aller m'ajouter là-bas. Et comme ça on va discuter un petit peu, on va faire connaissance, n'est-ce pas? J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, comme ça vous m'encouragez. Et comme ça je sais que vous kiffez les hauls et j'en ferai plus souvent. Et aussi dites-moi en commentaire c'est quelle tenue que vous avez préférée. Pour ma part, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis prenez soin de vous. Bisous. Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin ya ya. Kalbimi alıp vermedin, geri vermedin, geri vermedin. O sen olsan bari. Hatalarını hep örtbas eden sen, kendine bile güvenemeyen sen, herkesi kendi gibi gören aklı herkes haklı. Yanıyorum sen. Ya Habibi, bana senden fayda yok. Yolla şu tabibi, yüreğimde derman yok. Benim narim narim.